Haïti, c'est un pays spécial, vrai. De jour en jour, bagayo a pi mal. Jodi lundi 29 novembre 2021, grand matin, bandi Azam kidnappé yon directeur l'école ensemble avec tout chauffeur. Ou besoin qu'on commence à te passer? Rete là, nous pral bò tout détail. Nous pral fè un coup de pied tout dans la Gonave. Yon jeune homme mouri en bas kout manchette, zak kon sa, pas suspendre répéter sous île ça mes amis. C'est pas seulement jeune homme ça qui mouri, c'est même pas cette gon l'autre qui t'est mouri dans même situation, c'est avec manchette. Nous pral ban nou plus détail. Est-ce qu'on gen l'idée quitter pays d'Haïti ou bien est-ce qu'on gon zanmi, yon fami qui vle quitter pays d'Haïti? Nous gen yon bon nouvelle pour nous. Pays mestique décidé pour le bay pep haïtien 52,000 visa. Nous pral développer tout point ça pour vous. Tale kon sa. Mais avant, bon di nou bonjour bonsoir, c'est un plaisir que nous ensemble avec nous sous channel sa tande koze pour nous capable joindre bon gens information qui a fait actualité pour journée lundi 29 novembre 2021. Pas oublier abonner, like et puis partager information sa yo avec yon zami, yon famille qu'on soit capable aider channel sa grandir. Sony Guichard, c'est non directeur yon l'école qui relè institution Mix cœur de Jésus qui pas trop loin la cour de cassation bandit sans foi ni loi rivé kidnapper directeur ça. Selon information qui vient joindre nous, c'est dans environ 6h45 nan matin yo rivé enlevé directeur Sony Guichard. Mes amis, mais comment yo rivé kidnappé directeur? Cependant, monsieur Satap entré dans l'école là, yo rivé kidnappé devant papote l'école là. Reporter tande causé, yo te font coup de pied dans zone là. Mais malheureusement, yo pas joindre moun qui pou témoigner comment bagay la te passé. Mais selon information que nous recueilli mes amis, tout élève yo te traumatisé, professeur, employé qui t'a travaillé l'école ça traumatisé, yo obligé fermer porte l'école là. D'ailleurs, les reporters tant de causes ont allé, yo te jeune porte l'école là fermé. Raison, c'est parce que yo enlevé directeur là, tout monde sous choc. Donc ça vient faire que une élève qui était gétant entré dans l'école là ou bien qui t'a vu l'école là obligé tourner la caillou. Mes amis, mais comment situation a yé? Ça passé grand matin jeudi lundi 29 novembre 2021. Pas oublier question kidnapping nan, c'est un bagage qui a fait rage dans le pays d'Haïti. Si nous songeons, il y a un journaliste qui a travaillé dans Radio Caraïbe FM, Alexander Galvez, il a kidnappé dans la zone Malpass, sous Malpasta, pendant que monsieur lui-même était après le Saint-Domingue. D'ailleurs, nous en pile monde contre Alexander Galvez, mes amis, pour jusqu'à présent, li nan men nèg 400 maozo parce que d'après information que vient nous c'est nèg sa qui t'a arrivé kidnapper journaliste ça et directeur qui groupe qui kidnapper qui groupe bandi nous poko connait et puis yo poko entrer en contact avec famille directeur pour yo connait combien cob que yo doit bailler une façon pour yo laguer. En tout cas mes amis, pays ça faut que nous faire en pile effort, faut que nous surveiller côté n'a mettre pied nous mes amis, parce que bagay yo vraiment compliqué dans pays d'Haïti. Pas oublier tout, yo kidnappé un français pour jusqu'à présent li nan men moun yo. Selon information qui te vient de nous, le responsable communication dans l'université Kiskeya et gagne plusieurs autres citoyens. Selon information que nous recueilli, seulement dans semaine ça mes amis, yo fait environ 42 enlèvements. Ça veut dire moun que y a kidnappé. Ça l'état dit dans ça? Malheureusement, DG France LB pourquoi fait rien pour stopper question kidnapping ça dans pays d'Haïti. En tout cas, bagayou mes amis, c'est comme ça que yo yé. Fais attention. Nous connaissons, de grande époque, c'était pasteur d'église que seulement yo que yo te kidnappé. Yo passé nan journaliste, d'ailleurs, gen Alexander Galvez qui nan men yo, mais kounya yo passé nan directeur l'école. Ça veut dire quel que soit moun qui nan société ça, qui nan cou société ça mes amis, li capable victime de dossier kidnapping ça. C'est peut-être ça nous-mêmes qui attendez moi là. Sinon, gen yon famille, yon zami ki Haïti ou bien nous a viv Haïti, fè en pile attention parce que bagay yo, mes amis, yo grave nan pays d'Haïti. Kounye a, an al sou zile la Gonave.
Jean Kirby Desrosiers, c'est un jeune garçon ça que yo touyé dans une localité qui relé Krismab dans commune Ansagalè. Moun que yo pas arrivé identifié blessé grave Jean Kirby Desrosiers. Yo te couru l'hôpital ensemble avec dans l'hôpital qui relé hôpital Wesleyan Ansagalè. Malgré ça, malheureusement, monsieur li mouri parce que li était blessé grave. Selon information, yon cousin victime nan, li di c'est parce que monsieur li était dans yon compte ensemble avec yon moun qui fait ça arriver. Et pas oublier tout, selon ça la nouvelle fait konnen, yon média nan zone La Gonave, li di c'est nan yon fête que Kirby li même li t'a participé, yon fête zanmil. C'est comme ça, li recevoir yon coup manchette bon épaule droite li. Pas oublier tout, nan jou ki te 24 novembre nan, te gen yon l'autre jeune homme qui te mouri tout, presque même gens. Jeune homme sa li rele Zachary, li te mouri, yo te jwenn li mouri décapité nan zone qui rele Gomang. C'est nan zone sa monsieur sa li même li te mouri qui nan yon commune qui rele Pointe-à-Raquette. Ça veut dire sous île sa mes amis, Zach violence rache moun avec manchette malheureusement li tourné monnaie courant dans zone ça son bagay qui grave pour nous que comment moun a mouri avec coup de manchette son bagay qui grave mes amis moun la gonavio côté que yon a touye l'autre c'est pas avec zam mais c'est avec coup de manchette ça arrivé Jean Kirby et ça t'est arrivé jour qui était 24 novembre nan Zachary démon nek sa yo mouri yo rache yo avec manchette. Yon lot nouvel encore, ça c'est yon bon nouvel. Mestik annonce li pral bay haïtien plus passe 50 000 visas. Ça vle di compatriotes nou yo, yo ap kabab gen possibilité pou yo al vive Mestik. Ça entraîne un cadre support que gouvernement Mestik la, li même la bay haïtien yo, parce que pays a de jour en jour gen crise, gen problème insécurité. Gouvernement mexicain li prend disposition pour yo bail plus passe 50 000 haïtiens visa pour yo kal vivre sous terre mexique. Selon gouvernement mexicain, yo prend décision ça parce que États-Unis li même té décidé déporter plusieurs milliers haïtiens dans pays yo. Ça qui est estimé comme un crime. Parce que vie à climat, économique, sécurité et politique qui gagne dans le pays d'Haïti, Américains pas dû voyer tourner paquet moun sa ou paquet haïtien sa ou qui te franchi frontière illégale. Donc c'est une raison qui fait que gouvernement mexicain li même li dit li pral bay 50 000 visa plus passer 50 000 visa à pays d'Haïti. Selon ça, Andrés Ramírez fait qu'on est chef communication pays mystique. Li di kon sa, li comprend situation Haïti. C'est un bagay qui terrible. Son pays qui pa gen président, qui pa gen parlement et qui fait se faire face à un tremblement de terre. Déporter que Américain te déporter haïtien yo, c'est un crime et moi-même moins contre ça. Donc c'est peut-être ça gouvernement mexicain décidé pour li bay plus passer 50 000 visas à haïtien yo. Bon, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi pense oui. Parce que à cause problème insécurité, problème la trouble qui gagne tout partout dans le pays d'Haïti, moi pense que ça c'est une bonne opportunité pour les gens qui veulent quitter le pays d'Haïti pour aller vivre dans le pays mystique. Ça c'est une bonne opportunité pour lui parce que je pense que là c'est vrai mystique, il y a un problème insécurité. Mais je pense que bagaille pas aussi exagéré même gens avec Haïti. C'est peut-être ça li bon pour. Alors c'est peut-être ça c'est une bonne nouvelle côté gouvernement mexicain, il décidé pour bail plus passer 50 000 visas à haïtien yo qui décidé quitter pays d'Haïti. Bon, peut-être on doit poser cette question qui gens ça va le faire, qui les ça va le faire, ça c'est un autre débat. N'a venir ensemble avec plus information sur ça. D'ailleurs, responsable chef communication mexicain là, il peut dire qui gens que il a privé bail visa ça ou bien qui est ce monde qui va le qualifier pour jeune visa ça. Mais ça que il dit c'est que yo pral bail plus passer 50 000 visas à haïtien qui vivent dans pays d'Haïti. Son bagage que nous va suivre comment pour nous moun à là nous pour connait
Mais quel que soit ça qui gagne, nous mettons abonnés sous channel nous entend des causes et comme ça nous capable venir avec plus d'informations sur comment ça fait. Nous t'es content pour nous te porter toute information ça pour nous pas oublier abonner pour nous capable rester connecté après tout à l'heure pour une autre vidéo.